Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Grand Est, bienvenue à Montier-en-Der en Haute-Marne pour vous faire vivre un événement qui nous tient particulièrement à cœur, le Festival international de la photo animalière et de nature. C'est ici jusqu'à demain soir que vous pourrez découvrir des paysages à couper le souffle, des animaux méconnus, surprenants, effrayants pour certains, des images de la faune, de la flore parmi les plus belles et les plus mystérieuses. C'est donc ce festival que nous allons vous faire vivre pendant un peu moins d'une demi-heure, en insistant notamment sur le grand thème de cette 22e édition. Il s'agit de l'eau. Les plus grands photographes spécialisés dans la prise de vue sous-marine se sont rendus aux quatre coins du monde, dans tous les océans, pour vous rapporter leurs plus beaux clichés. Nous irons à leur rencontre pour parler de leur travail. Et nous allons commencer dès maintenant avec des photos glaciales, celle de Philippe Bourseiller. Il se trouve du côté de l'abbatiale de Montier-en-Der, aux côtés de Mathilde Kaczkowski. Bonjour Mathilde. Bonjour Maxime, oui je suis en extérieur, ici on peut découvrir des expositions sur divers sites. Et vous avez raison Maxime, on peut parler de photos glaciales ici puisque vous, Philippe Bourseiller, vous avez fait une exposition sur les glaces et les glaciers. Ce travail représente 30 ans d'expédition et de voyage. Vous avez travaillé sur les volcans, les déserts, les forêts. Pourquoi vous êtes intéressé à l'univers de l'eau ? Alors je me suis mis à travailler sur l'eau parce que je travaille d'abord par thématique sur la planète, thématique globale, et l'eau est la source de toute vie. Et j'ai rencontré donc l'eau à travers tous mes voyages, dont la glace. Et du coup, je me suis, pour sortir un petit peu des volcans à l'époque, des déserts, etc., commencé à m'intéresser à la glace en parallèle pour arriver à ce résultat. 30 années de travail sur toutes les glaces, types de glaces et glaciers du monde. Vous avez voyagé sur tous les continents, vous l'avez dit, pour faire cette exposition. Est-ce que vous avez été témoin du réchauffement climatique ? Oui, je crois que c'est l'endroit sur Terre où on se rend véritablement compte de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète. Parce que tous les endroits où je suis passé, j'ai vu ou des glaciers reculer, la banquise fondre, des colonies de manchots disparaître. Et vous ressentez quoi face à ces scènes ? Ce sont des changements de paradis, entre guillemets, pour moi. Pour moi, tous ces endroits ont été magiques. C'est un peu ma vie en même temps, à travers toutes ces photos. Et Albert Jacquard avait un jour écrit une préface pour moi sur un livre que j'avais appelé « Paradis perdu » en expliquant que chaque paradis correspond à une génération et que la génération de demain n'aura pas cette même notion. Si demain, on n'a plus d'éléphants, on n'a plus de baleines, les enfants qui regarderont les océans ne se rendront pas compte de ce qui a disparu. Ils en trouveront une autre notion de paradis, voilà. L'eau est une ressource précieuse, vitale, mais menacée. Elle recouvre 70% de notre planète. Est-il primordial de mettre en avant la beauté, la splendeur de la nature, comme vous le faites, pour créer une prise de conscience ? Oui, je pense que c'est tout mon travail aujourd'hui, ce que j'ai commencé dans les années 80, représente une forme de mémoire. On est en train de se rendre compte, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec un de mes amis, Yann Arthus Bertrand, qui a lui a commencé dans les années 70, moi dans les années 80, et on se rend compte aujourd'hui qu'on a créé une mémoire de la planète. Et la beauté en fait partie, ça n'empêche pas aussi parallèlement de parler, c'est ce que je fais dans le cadre du livre sur les glaces, de parler toute la problématique de pollution, réchauffement climatique. Vos photographies sont très fortes. Peut-on s'arrêter sur celle-ci ? Il ne fait pas trop froid dans cette. Alors curieusement, à l'extérieur, on est là au début de l'hiver, il fait entre moins 20 et moins 40. Mais à l'intérieur des galeries, il fait autour de 0 degré. Là, c'est 10 années d'expédition qu'on a fait avec Jeannot Lamberton à l'époque, dans les glaces du Groenland, pour suivre le chemin de l'eau. Et on est descendu à plus de 200 mètres sous la glace. Et cette photographie représente une bédière. Une bédière, c'est une rivière qui est creusée en été par les eaux du glacier. Elle peut atteindre près de 100 mètres de profondeur. Ensuite, l'eau va commencer à se retirer avec l'arrivée du froid. Et nous, on va descendre à ce moment-là, en profiter et suivre le chemin de l'eau pour arriver à une crevasse qui a été façonnée par l'eau et commencer ensuite à descendre avec des cordes. Et on atteint la profondeur actuelle de 200 mètres. Voilà, 207 mètres exactement. Vous êtes un grand voyageur pour amener des photographies comme celle-ci. Faut-il prendre des risques ? Prenez-vous des risques sur le terrain ? J'évite, mais c'est comme en montagne, on a parfois de mauvaises surprises. Il m'est arrivé un jour de passer au travers de la banquise. Merci beaucoup pour d'avoir répondu à nos questions. Nous, on se retrouve tout à l'heure avec un autre photographe pour échanger sur les conséquences de l'activité humaine sur notre environnement.
Et après ces photos glaciales, des photos glaçantes pour les âmes les plus sensibles avec cette meute de requins. C'est l'une des expositions événements de ce festival. Et le titre met tout de suite dans l'ambiance 700 requins dans la nuit. C'est le travail de Laurent Balesta. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors racontez-nous, où avez-vous rencontré cette meute de requins ? Ça se passe en Polynésie française, l'atoll de Fakarava, donc un lieu très facile à visiter. Simplement, personne n'était allé voir la nuit ce qui se passe. Voilà. Et la nuit, c'est un spectacle dantesque de ces chasses de requins. Vous trouvez ça glaçant ? Moi, je trouve ça d'abord beau, mais... Certains voilà. peuvent trouver ça glaçant. Au départ, vous étiez venu chercher des mérous, en fait. Oui, la rumeur qui nous a amené là, c'est un rassemblement de milliers de mérous, le plus grand rassemblement au monde, d'ailleurs, une fois qu'on l'a eu compté. Et on ne savait pas, mais voilà, il y avait cette meute de requins qui suit ces mérous qui se rassemblent pour les dévorer chaque nuit. Et donc chaque nuit, du coucher au lever du soleil, on a droit à des chasses naturelles, j'insiste, parce que sur les requins, on voit tellement de chasses provoquées, de nourrissage, choses comme ça. Là, ce sont des chasses naturelles d'une intensité... que j'aurais même pas pu imaginer ça avant. Oui, c'est ça. Alors, il faut remettre D'ailleurs, ça nous a sidérés. Hein. La première année, c'est à peine si on osait s'approcher. C'était tellement violent, tellement puissant. Oui, parce que la scène, donc, c'est à la pleine lune du mois de juin. Ouais. 700 requins d'un côté, 18 000 mérous de l'autre. Et la chasse qui commence, qu'est-ce qui se passe ? C'est des courses. Pendant longtemps, on nous a toujours parlé à propos des requins de frénésie. Donc, dans la frénésie, il y a quelque chose de chaotique, etc. Et ce que nous, on a... L'intuition qu'on a eue en regardant ces scènes, c'est que ce n'était pas des frénésies, c'était plutôt des chorégraphies. On voyait bien qu'il y avait une sorte de collaboration de cette meute de requins pour être efficace dans leur chasse. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer les proies. Les mérous sont des virtuoses de l'esquive et le requin qui chasse seul n'arrive à rien d'ailleurs. Et là, on voit par exemple comment ils encerclent une proie et la seconde d'après, elle disparaît dans la gueule des requins. Donc c'est ce que j'ai voulu montrer que ces requins qu'on désigne avec des adjectifs de machines à tuer, de choses comme ça, c'est avant tout un milieu harmonieux avec des chasses d'un esthétisme pur. J'ai pas voulu montrer d'ailleurs les scènes sanglantes. Mm-hmm. J'ai voulu montrer au contraire l'instant d'avant, souvent la minute avant ou la minute après. Alors là, on le voit particulièrement bien. Alors quand même, il y a cette frénésie, vous en parliez, et au milieu, il y a un plongeur, il y a vous avec votre appareil photo. Est-ce qu'on a peur au milieu de tous ces requins ? Bah c'est peur, c'est pas tout à fait le mot, c'est très impressionnant, c'est sidérant, on reste bouche bée, on bouge plus, et quand on bouge pas, ben on fait rien. Donc il a fallu quand même, la première année, j'ai quasiment fait aucune image qui mériterait d'être là. Il a fallu toutes ces années dompter notre propre appréhension, dompter le noir, l'obscurité, comment faire des images dans la nuit, qui est cette dimension nocturne. Le but, c'est pas de recréer le jour, la nuit, mais bien de donner cette ambiance lumineuse d'une lune. Voilà, il a fallu connaître leur comportement, avoir une intuition sur comment se passent ces chasses pour les anticiper. Et ça a été un travail passionnant, un peu épuisant, hein, puisqu'il a fallu 3000 heures de plongée et 85 000 déclenchements pour arriver aux 222 photos du livre. Et des résultats comme celui-ci qui sont magnifiques. Merci beaucoup Laurent Balestier pour ce témoignage. 700 requins de la nuit, c'est une exposition à voir dans ce festival. L'un des trésors photographiques que l'on peut trouver ici à Montier-en-Der. Et vous allez le voir, des trésors, on peut en trouver dans toute la ville. Voyez ce reportage de Grégoire Schott, Opal Van Kaiser et Anna Strobel. Une panthère qui frôle de ses pattes la neige fraîchement tombée. Un rapace sur son rocher fièrement perché, ou un loup coursant sa proie prêt à attaquer. Dans la halle au blé, les festivaliers étaient transportés. C'est la première fois que j'ai l'occasion véritablement de venir et c'est là que je me rends compte que c'est vraiment un gros festival qui attire énormément de monde. On est venu visiter et voir l'exposition. Voilà. Et il y a des très belles choses. On en prend plein la vue partout, tout le temps. À quelques pas de là, dans cette abbaye, les amateurs de photographie ont pu croiser les flamants roses se querellant, cette maman singe et ce petit, ou encore ce renard à la recherche de nourriture dans une poubelle. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres, d'ailleurs j'ai du mal pour choisir, parce que je ne sais pas laquelle je vais prendre. Je crois que je vais faire deux tours. On parcourt le monde à Montier-en-Der. En fait, en voyant toutes ces images, c'est splendide. Enfin, ces magnifiques photos, c'est magique. Une magie
et une attention particulière aux clichés prônant la sauvegarde des espèces et de l'environnement. Par exemple, les photos qui présentent des animaux piégés, des paysages qui disparaissent. Tout ça, on ne les avait pas les années précédentes. Et c'est quand même un plus. Des milliers de photos, et pour les accueillir, 15 lieux d'exposition. Le festival attend plus de 40 000 personnes jusqu'à dimanche soir. Alors le festival de Montier, ce sont des photos sublimes d'animaux, des paysages hors du commun, mais ce sont aussi des photos qui interrogent, qui choquent, qui interpellent. Et c'est le cas de cette photo, Mathilde. Oui, c'est une photographie très particulière puisque c'est l'affiche du festival. Je suis avec son auteur, Jordi Caz, bonjour. Vous nous venez tout droit d'Espagne, de Barcelone. Vous êtes un photographe indépendant spécialisé dans les fonds marins depuis 20 ans. Et cette année, votre image est à l'honneur, elle est très forte. C'est une tortue piégée dans des filets de pêche. Quelle est l'histoire de cette photographie ? Bon, on est sorti au large de Barcelone à la recherche de grands animaux, des cétacés, des dauphins, tout ça. Et on a tombé vers un grand filet et on s'approchait. Et on a vu qu'il y avait une tortue attrapée. Je me suis mis à l'eau. J'ai vu que la tortue pouvait respirer encore. J'ai fait quelques photos et rapidement, on l'a portée vers le bateau pour couper les filets. Et après, on l'a libérée. Et c'est ça, l'histoire. Dans votre exposition, on va le voir, votre message est clair. L'activité humaine est une menace pour l'environnement. Quels dégâts mettez-vous en avant ? Bon, il y a plein de dégâts qui menacent la faune de Méditerranée ou de l'océan. Mais la pêche, la contamination, je crois, c'est le plus dangereux. Vous connaissez particulièrement la mer Méditerranée. Est-ce que vous assistez souvent à ce genre de scène quand vous sortez en mer ? Oui, on trouve tout le temps des plastiques à la dérive, des ballons, des déchets plastiques tout le temps. Et c'est une image très quotidienne pour nous et je trouve que ça c'est une grande menace. Mais surtout, il y a des choses qu'on ne voit pas, c'est la contamination par hydrocarbures et la contamination des microplastiques qui c'est très dangereux à mon avis. Est-ce que parmi toutes les espèces photographiées, vous vous dites souvent que certaines vont peut-être bientôt disparaître ? Oui, ici je n'ai pas mis aucune photo de requin, mais le requin c'est une espèce assez commune en Méditerranée et qu'aujourd'hui c'est très 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 difficile de l'avoir vivant. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette interview, Jordi Caz. Je rappelle aux téléspectateurs que votre exposition « L'être humain contre la mer » est visible ici sous le chapiteau. À vous Maxime. Merci Mathilde. Et le festival qui montre effectivement dans plusieurs expositions l'impact de l'homme sur la nature et notamment sur les océans. Et c'est le travail également de Patrick Dexon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête de l'ONG Expédition 7e Continent. C'est quoi le 7e Continent ? Le 7e Continent, malheureusement, ce sont tous les déchets qu'on jette dans la nature qui vont finir dans les océans et qui forment une plaque de déchets dans les océans. Donc on en trouve 5 dans le Pacifique, dans l'Atlantique et dans l'océan Indien. Et c'est un 7e continent que vous avez rencontré, si on peut dire. Oui, c'est ça. Depuis 10 ans, on mène des études. Hein, on part sur place sur ces fameux continents qui ne sont pas réellement des continents. C'est une soupe de plastique pour étudier l'impact sur la faune et la flore. Donc plusieurs expéditions dans l'Atlantique, dans le Pacifique. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce que vous avez vu sur place ? Quand on arrive sur place et que la météo est clémente, on peut glisser avec le bateau sur des microparticules de plastique. C'est assez effrayant. D'accord. Vous, votre objectif, il est scientifique, c'est d'étudier un petit peu l'évolution de ces particules ? C'est ça, c'est une pollution qui est récente et on a besoin de comprendre où va ce plastique et de connaître aussi également l'impact sur la faune et la flore. Et donc, c'est le but de notre ONG. Parce que les chiffres ils sont vertigineux, jusqu'à 270 millions de tonnes de déchets plastiques dans le monde, dans les océans actuellement, plus 10 millions de tonnes chaque année. C'est quoi l'impact sur les océans et sur les animaux ?
L'impact est important. On connaît déjà la première cause qui est accidentelle, la tortue qui avale son sachet plastique, mais pas que, parce que ces polluants, quand ils voyagent dans l'océan, transportent aussi des métaux lourds, des polluants organiques et empoisonnent la chaîne alimentaire. Et on a aussi le problème des espèces invasives qui sont transportées avec ces morceaux de plastique. Alors vous, votre travail, c'est justement de communiquer, de sensibiliser le grand public à cette pollution. Et c'est ce que font également les équipes du Festival de Montier-en-Der en se rendant notamment chez les plus jeunes, dans les écoles. C'était le cas il y a quelques jours dans l'école de Vendeuvre-sur-Barse dans l'Aube. La pollution, la biodiversité et les enjeux environnementaux étaient sur toutes les lèvres ce jour-là. Mais comment évoquer des sujets sérieux et préoccupants avec des enfants de 8 ans ? Cette animatrice utilise un moyen qui a déjà fait ses preuves, les devinettes. Qu'est-ce que c'est ? Une carte. Qu'est-ce qu'on voit comme continent ? Oula, oula, qu'est-ce que j'ai posé comme question ? Alors l'Afrique, ici, l'Afrique est donc un continent, pas un pays. Et on voit ici l'Europe. Sur cette carte, les élèves apprennent le flux migratoire des oiseaux et les dangers qui les guettent. On s'aperçoit qu'il y a des espèces qui disparaissent de plus en plus sur notre terre. Tout à l'heure, on a parlé des tortues, donc tout ce continent de plastique. Il est important de montrer aux enfants que le plastique qu'ils jettent dans la cour, ça va partir dans la mer, ça va se retrouver dans les estomacs des animaux et que c'est pas bon. Et la migration, c'est pareil, c'est pour montrer que les oiseaux, ils mènent une vie quand même assez impressionnante, on va dire, quand on voit la petite hirondelle qui part de l'Angleterre jusqu'en Afrique du Sud. Et donc ça, moi, j'aimerais que les enfants prennent conscience. Durant cet enseignement, il y a eu des rires, des visages perplexes, mais après toutes ces mimiques, les enfants avaient à leur tour des messages à faire passer. C'est des êtres humains comme nous, ils vivent. On n'a pas le droit de leur faire du mal. C'est intéressant parce que moi, je savais pas tout ça. Je savais pas que les oiseaux, ils faisaient de un pays à l'autre. Et donc, du coup, ça m'a fait du bien d'apprendre ça. Je suis déjà gentille avec eux. J'en fais déjà des nids. Et pourquoi ne pas faire passer maintenant ces messages aux parents, un peu comme un chacun son tour ? Quand ils rentrent à la maison, ils racontent aussi ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qui les émeuvent. Et du coup, ça peut aussi participer, j'allais dire, à l'éducation, à l'environnement de toute la famille. 60% des animaux sauvages ont disparu sur Terre depuis 1970. La biodiversité en France est en danger. Cette journée fait naître des consciences et permet d'éduquer les citoyens de demain. Voilà pour ce reportage de Mélodie Stevenson et Stéphane Jalesco. Patrick Dexon, la solution, c'est ça, parler aux plus jeunes, expliquer au grand public. Oui, bien sûr, puisque c'est une pollution qui ne se voit pas, qui est sournoise, qui est au milieu des océans. Et donc, le premier contact avec, faire, la première démarche à effectuer, c'est bien sûr, c'est d'aller à la rencontre du grand public, ce qu'on fait à Montier-en-Der. Donc, modifier les comportements. Modifier les comportements et leur faire prendre conscience que c'est un travail de chacun. Tout le monde est concerné par cette pollution et chaque geste compte. Alors, il y a des solutions plus spectaculaires, c'est d'aller nettoyer dans les océans. On voit ces grandes campagnes de nettoyage. C'est utile selon vous ? Non, c'est pas utile du tout, puisque c'est comme si on voulait éponger une salle de bain avec la baignoire qui déborde, avec les robinets ouverts. On va éponger, mais il y aura toujours autant d'eau. Et donc, il faut vraiment couper le robinet à la source et réduire son impact plastique. Voilà, en tout cas, votre solution, c'est de parler au plus grand nombre. Et c'est ce que vous allez faire donc, ce week-end à Montier-en-Der. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous déjà vu une crevette aussi ravissante ? Il s'agit d'une crevette transparente à taches bleues. Je suis avec l'auteur de la photographie, Patrick Desormais, bonjour. On va découvrir votre exposition intitulée « 20 000 rencontres sous les mers ». Elle est tirée de votre livre, ce livre publié en début d'année. Dedans, vous nous faites découvrir les fonds marins du monde entier. Oui, ça représente 10 ans de passion et de photos un peu dans toutes les mers du monde, voilà, que ce soit autour de la France, mais très éloigné de la France aussi. Vous avez même, par exemple, photographié Nemo. Quel est le but, l'objectif de cette exposition ? Alors,
le but, c'est plus de... en général, on n'a pas l'opportunité d'aller très souvent sous l'eau. Peu de gens ont cette opportunité-là. Moi, je l'ai. Et donc, ça permet de faire découvrir un peu à tous ceux qui ne connaissent pas ce milieu toutes les merveilles qu'il peut y avoir au fond. Toutes vos vacances, vous les passez au bord de l'eau. C'est une passion que vous partagez avec votre compagne. À chaque plongée, est-ce que c'est le même émerveillement? Alors, oui, déjà, en répondant à votre première question... j'ai la chance de faire ça en couple et on a la même passion, donc quand on doit choisir nos vacances, le problème n'est pas ce qu'on va faire pendant ces vacances, c'est où on va aller plonger. Et oui, effectivement, c'est le même émerveillement, parce que dans toutes les mers du monde, à tous les endroits, il y a toujours des animaux qui sont extraordinaires et chaque plongée nous font découvrir encore des nouvelles choses. Et parmi toutes les espèces photographiées, est-ce qu'il y a eu des rencontres plus magiques que d'autres? Oui, il y a par exemple le requin baleine. Ce n'est pas un animal spécialement rare, mais par contre, on a eu l'occasion de pouvoir plonger réellement avec lui et de rester avec lui pendant plus de 20 minutes. Ou alors, il y a ce gâtrin qui se fait nettoyer. Et les scènes de vie sont beaucoup plus rares. Il faut être là au bon moment, au bon endroit. Et là, c'était merveilleux aussi. Merci beaucoup, Patrick. Désormais, on vous souhaite une belle continuation dans votre passion, partagée par bien d'autres photographes ici. Merci à vous. Merci Mathilde, et cette passion, les photographes sont très nombreux à aimer la partager avec le grand public tout au long du week-end, et c'est le cas notamment de Pascal Cobé. Bonjour Pascal, on se trouve devant Bonjour, vos photos Mathilde. au COSEC, des photos qui sont également exposées en grand format au Haras de Montier-en-Der pour une exposition magnifique. C'est le fruit, ces photos, de 25 ans de plongée? À peu près, oui, 25 ans, que j'ai commencé en 94 et depuis j'ai pas arrêté. Donc il y a des photos un peu de toutes les mers du monde, Alaska pour ce lore irlandais, des thons dans un filet à Malte, un crocodile au Belize, des orques en Nouvelle-Zélande. Et toujours de la photo sous-marine? À 95%, oui, de la photo sous-marine. Il faut en faire un peu au-dessus quand on fait un reportage, mais oui, d'abord c'est une passion. C'est un monde que je trouve merveilleux et que j'essaye de faire connaître au plus grand nombre. Pourquoi c'est important justement ce monde sous-marin qu'on ne voit que très peu, pourquoi c'est important de le montrer au public? D'abord parce que c'est un monde méconnu. Peu de gens finalement vont mettre la tête sous l'eau et aller encore plus profond. Donc c'est un monde avec des couleurs, des formes, des livrées, des bêtes variées, riches et que les gens n'ont pas l'habitude de voir. Qui connaît un hippocampe pygmé qui fait un demi centimètre à 30 mètres de fond sur une gorgone? Vous me disiez que ce qui se passe sous l'eau, c'est également, pour ce qui concerne le braconnage par exemple, c'est le crime parfait. Oui. Est-ce que c'est important de témoigner de ça aussi auprès du grand public? Alors j'ai d'autres photos qui ne sont pas sur ce stand mais qui sont sur d'autres stands et qui sont à l'extérieur au Haras, où je montre des requins dans des filets, je montre des requins découpés, dont les ailerons sont découpés. Et effectivement c'est le crime parfait, parce que quand un troupeau d'éléphants se fait tuer pour les défenses, on voit les corps, on fait des reportages, etc. Sous l'eau, on coupe les ailerons et on balance le corps. Le travail devient très important justement. Oui, et on balance le corps par 1000 mètres de fond, donc ni vu ni connu. C'est bien pour ça qu'on fait disparaître des corps avec un socle de béton. Donc, et pour les poissons, c'est la même chose. Et donc, malheureusement, c'est pour ça que c'est important justement de le partager avec le grand public. Sûr. Des photos, je le rappelle, à voir ici au COSEC, mais également dans une magnifique exposition au Haras de Montier-en-Der. Une exposition où on attend beaucoup de monde. Et c'est avec ce grand public que se trouve Mathilde actuellement. Oui, effectivement, il y a beaucoup de monde dans les allées et justement, je vais aller rejoindre Corinne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes une habituée du festival. Oui, tout à fait. Écoutez, moi, je passe les 4 jours ici à Montier-en-Der. J'adore ce festival. Je suis amateur de photos. J'en fais à titre non professionnel. Et puis, je trouve que c'est l'occasion d'assister à des conférences qui sont super intéressantes, qui nous sensibilisent aux problèmes de l'environnement. Et puis on est en lien direct avec des photographes qui viennent de loin, qui nous ramènent de superbes images, donc c'est très agréable. Merci beaucoup Corinne, je vous souhaite une très belle visite. Et merci. Sachez que les organisateurs de ce festival attendent près de 40 000 personnes sur l'ensemble de l'événement.
Merci Mathilde et merci à ce public toujours aussi nombreux à Montier-en-Der. Merci à toutes les équipes qui ont permis de préparer cette émission, le Festival de la photo animalière et de nature dure encore jusqu'à demain soir, l'occasion de venir voir ces magnifiques photos, de rencontrer leurs auteurs, de discuter, de partager avec eux. Alors venez ici à Montier et le festival se chargera de vous faire voyager aux quatre coins du monde. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end sur France 3.